Une affiche d'ascenseur. Associés, les assiettes, les verres, les tasses, piano forte et l'harpe. La véritable guillotine ordinaire. Monsieur Guillotin. Le salon, la bibliothèque et... Oui, ils avaient pas la télé déjà, le fauteuil. Le salon. Ok, ça c'est pas grave. Pour trouver une issue politique à la révolte populaire et empêcher cette réforme. Comme ici? Oui. Le propriétaire du château, Claude Perrier, décide d'ouvrir ses portes pour accueillir ce qui deviendra l'Assemblée de Béziers. Elle s'est tenue ici, dans une salle qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont tu peux voir l'emplacement à l'extérieur. C'est où ça, ce que vous faites? Les débats sont menés par deux avocats grenoblois, Mounier et Barnard. Des bouleversements? Lesquels, par exemple? L'abandon des privilèges et des droits féodaux. Ou encore la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ou tiens, un nouveau dessin de la carte de la France. La fin de la province du Dauphiné, mais la naissance du département de l'Isère. Les gens de gloire. Et on adopte une devise. Que je t'ai trop amené à faire. Par exemple, oh, mais alors, il y a un président à la place? Pas avant un moment. Les révolutionnaires craignent de placer le pouvoir en un seul homme. C'est pour ça que la Convention nationale est créée. Et cette solution à plusieurs, ça a marché? Eh bien, tu vois, au sein même de la Convention, la situation est loin d'être simple. C'est un bureau, ça. Les anciens bureaux. Ok, tapissé. Regarde avec toi les papiers. La proclamation. Ouais, lire, c'est pas simple. C'est comment il s'appelle lui? Même idée. C'est pas l'événement historique. Ils appellent ça journée d'étude. En fait, ils sont... Super. Voilà le tableau. Un drapeau. La cocarde, on en a une. Le transport, ça a toujours été des chevaux. Les anciens bains. Comment tu parles? Comme dans le sac.